give them another round from our broadside! Nearly all the cannons were destroyed after that last attack, sir! There won't be enough to do any damage! She's coming astern, sir! They're going to board us! Sir? Ready the small arms and prepare for attack! They'll never take us alive! Sir, we have captured Captain Clark. Well, well, this is indeed a rare treat. Captain Nathaniel J. Clark. I'm sorry, but I must inform you that your ship is lost and your crew was left in Denmark. How I should say this? Indisposed? You can't tow me, Barrow. I'll have my vengeance! Oh, I doubt that. You see, you are a gift for the king and will be publicly executed upon our return. Bringing scoundrels like yourself to justice makes the people feel safer and enforces the might of the Spanish Armada and the will of the king. We'll see. Indeed we shall. Oh, this is a very happy day for me, Claw. I'm sure you will find your quarters at the prison most uncomfortable and the guards especially hostile. Oh, after all, we can't be too careful with our prize trophy now, can we? Take him away. Keep it down, or I'll make your last night among the living even more uncomfortable. There's got to be a way out. What's this? I wonder how long this has been here. I am writing this with a quill and a piece of torn paper for my confessions for my Spanish captors, and will then hide it in the wall. I will be executed in the morning for crimes against the king. The exact details as to why are not important. What is important is that whomever is reading this letter knows that the legendary Nine Lives amulet really exists. In a town on the other side of the nearby forest, I lost one of the gems for the amulet in a game in one of the taverns. It seems hopeless for me now, but if you, whoever you turn out to be, have more luck than I did, and can get out of this godforsaken place, and are seeking the adventure of a lifetime, I encourage you to take the piece of the map that you should find with this letter and go and retrieve the first of the nine powerful gems of the Amulet of Nine Lives. It is an incomplete map, so you will need to find the rest of the pieces, and with that, the location of the rest of the gems. Good luck.
And beware. Others now know of the amulet too. Edward Toban. The Nine Lives amulet? I can't believe it. Could it be true? Probably not, but just in case. That's it. I warned you. Now I'll quiet down myself. Oh yeah, comme c'était épique. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était la scène d'introduction de ce jeu qui s'appelle Claw ou Captain Claw. Donc je précise, je suis une version piratée parce que mon CD ne marche pas sur ce PC, je sais pas pourquoi. Et donc, on commence. Salut à tous, c'est Norignos et voici donc pour cette vidéo. Je vais vous montrer le jeu. Je ne pense pas le finir avec vous parce qu'il est très très long et très très dur. Enfin très très long, tout est relatif. Hein. Faire des vidéos pour qui montreraient jusqu'à la fin, ça serait super long. Comme vous avez pu le constater, je suis un chat pirate qui doit tuer des chiens qui ne sont pas pirates pour trouver une amulette pour avoir 9 vies. Donc les célèbres 9 vies chez les chiens. Donc le jeu est très simple à prendre en bas. Hein. Alors, les flèches pour vous diriger. Contrôle pour le sabre. Espace pour sauter. Bas pour s'accroupir. Haut pour regarder en haut. Alt pour utiliser l'arme secondaire. Et Shift pour changer d'arme secondaire. Donc voilà. Donc c'est un jeu assez simple, mais à la fois très très attrayant. Enfin c'est, ça a été fait en 1997. Et pour l'époque les graphismes sont très bons, je trouve. Mais là n'est pas la question. C'est un très bon jeu, je vous le conseille d'ailleurs. Bon, je ne pense pas que vous pouvez le trouver sur Amazon, des trucs comme ça, mais si vous le trouvez d'occasion, à la limite sur eBay, peut-être qu'ils vendent encore un ou deux exemplaires. C'est possible. Donc, l'objectif de ce jeu sera donc de réunir des morceaux de cartes et des morceaux d'amulettes. Enfin, des joyaux. Donc, comme vous pouvez, je peux porter les choses et les lancer. Ça m'éclatait de lancer des tonneaux. Donc l'arme secondaire, les armes secondaires, je vais vous les montrer. Donc là, j'ai le pistolet. J'ai le pistolet. On les a toutes dès le début, les armes secondaires. On a des munitions, par contre, ça c'est normal. Waste of time. Donc on va emprunter le chemin secret. Tac, tac. Enfin pas si secret que ça, vu qu'on le voit très bien, mais bon. Tac, tac. Hop. On va quand même essayer d'avoir le maximum de joyaux possible. Hein. This is a minor nuisance. Si on n'essaye pas d'avoir un minimum de joyaux, c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai tiré au pistolet. Donc je vois pas pourquoi j'ai dit ça vu que ça se voyait. Mais c'était avec contrôle. Hop. Là oui, les souris balancent des bombes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien moi-même. Donc ce jeu, il m'avait... J'avais beaucoup aimé au début. Pourquoi je dis au début? Alors parce que à la fin... Je vais vous expliquer d'abord au début parce que c'est un jeu de plateforme super cool quoi. On contrôle un chat pirate qui doit tuer des chiens pour trouver une amulette. C'est pas fantastique la drogue? D'accord. Bon. Ensuite il m'a frustré parce que j'arrivais jamais à dépasser le troisième niveau. Parce que le troisième niveau c'est l'enfer. Des chiens qui vous tirent dessus avec un arc. Il y a des... C'est horrible quoi! Oh zut! Oh mince! Oh bah j'ai fait une connerie, je vais devoir me suicider, tiens! Youpi! Ouais! C'est ça! Tout est punitif dans ce jeu! Fait une erreur, c'est punitif! Donc là, vous entendrez certainement pas la musique. Je vous la mettrai si vous voulez en vidéo à part. Mais elle est tout simplement énorme. Et par contre, elle est pas très forte dans le jeu, par défaut. Mais par contre, les bruitages sont super forts. Donc là j'ai baissé le son au minimum pour que vous entendiez quand même un tout petit peu les bruitages, oui c'est ça. Et c'est parti pour la dimension
crête, youpi. Bon, faut que je reprenne les contrôles, hein. Là j'ai à peine de reprendre. Donc c'est vous dire, je l'ai plus trop en main ce jeu. Quand j'étais petit, je pouvais finir ce niveau sans mourir une seule fois et sans me prendre un seul dégât. Quand j'étais petit. Death trap. Tiens, toi t'es morte. Et ce sont des souris, tiens. Faut retenir. Si t'es morte, toi c'est morte. Bon, ça fail. On va arrêter de vouloir chercher des trésors et de jouer au chat héros. Parce que là, ça commence à mal le faire. Donc, vous voyez, pas de trésor, je les prends. Moi, je m'en fiche. Parce que je vais être riche plus tard. Tac. Tac. Et merde. J'avais fait un truc pour attraper les pièces en même temps. C'est le... Oh, punaise. Et mon dieu, que je suis pas doué. J'étais mieux avant, hein. Yes. Crève. Aussi, crève. J'ai usé 8 balles de pistolet, non pas 8, enfin j'ai usé plusieurs balles de pistolet sur le même type, ce qui est complètement inutile vu qu'une seule balle là, ça suffit. Faut vraiment que je reprenne vraiment les bons trucs, enfin faut que je m'y reprenne, voilà. Donc vous voyez, je peux casser les caisses avec le sabre, ça vous avez certainement remarqué. Ah oui, un truc que je vous ai pas montré. On peut porter les ennemis. Merde. C'est dur. Tiens, voilà. On peut porter les ennemis. Et donc les lancer sur les autres personnes ou sur les caisses, par exemple. Pour qu'elles se montent. C'est pas très utile au début, mais ça peut servir ensuite. Ensuite, il n'y a pas de dégâts de chute. Donc vous pouvez tomber de la hauteur que vous voulez. Vous n'aurez rien, sauf si vous tombez dans le vide. Et là, je peux te dire, si vous tombez dans le vide, c'est punitif. Donc je ne pense pas finir le jeu avec vous, hein. Du moins pas sans tricher, parce que ce jeu est très très dur. Et quand je dis très très dur, c'est vraiment très très dur. Il y a 14 niveaux, donc de plateforme, etc. Mais le dernier, c'est horrible. Même avec les cheats, c'est un vrai calvaire. C'est n'importe quoi. J'arrivais jamais à dépasser le troisième, moi personnellement, mais c'est... Le cinquième était même plus facile que le troisième, tiens. Enfin bon. Ou sinon, au pire, je ne tricherai pas, mais je ferai une petite astuce quand même qui me permet d'avoir une infinité de vie. Enfin, c'est un truc à la base qui se permet de comparer les scores multijoueurs. Ça, je m'en fiche complètement. Moi, je l'utilisais pour quand j'étais petit pour avoir une infinité de vie et faire plein de fois le niveau. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette première partie. Et là, vous devez certainement plus beaucoup m'entendre. A drawing of the amulet. Now to finally escape from this prison and collect all of the 9 gems. Donc là, il a dit qu'il voulait collecter les 9 joyaux qui permettaient de reconstituer l'amulette. Donc voilà, et donc à la prochaine pour le prochain épisode. Je laisse quand même la bonne idée qu'on utilise de l'argent. J'ai pas tout eu, c'est normal. Donc merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.